Monsieur le ministre, pourquoi vous êtes-vous pas rangé derrière la candidature de Ali Bongo et est-ce que vous êtes toujours au PDG? Vous avez quitté, quoi. Non, je vais vous répondre simplement. Je vous l'ai dit au début. Moi, je n'ai jamais conçu l'engagement politique comme l'alignement derrière un groupe. Moi, l'engagement politique, c'est la défense et la promotion des valeurs et des idées. Vous me demandez de m'aligner devant X ou Y qui porte quelle idée. Moi, si aujourd'hui, je fais le cheminement qui est le mien, c'est parce que je sais que je porte des idées, des valeurs que lui ne porte pas. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que chacun de nous a des idées et des valeurs. Si aujourd'hui, je présente ma candidature, et je sais que je vais gagner, c'est parce que, justement, je vous ai parlé d'un ensemble d'atouts qui font en sorte que, bon, ces atouts, il n'y a qu'un baobab qui peut les réunir au Gabon aujourd'hui. Donc c'est pour cela que, sans renier non seulement notre amitié, mais notre fraternité, monsieur Ali Bongo, c'est mon frère. C'est mon frère, mais le Gabon, c'est notre pays à tous. Et je n'ai pas besoin de passer par lui pour apporter ma contribution à la construction, à l'avenir du pays. Et je sais que même lui, il sait qu'en matière d'offres politiques, je crois que j'ai des atouts qu'il n'a pas. Et il a des atouts que je n'ai pas. Mais la somme des atouts montre qu'aujourd'hui, je suis mieux placé pour moi dans mon combat. Nous nous présentons devant les Gabonais, nous leur proposons des offres politiques. Et à eux, le moment venu, justement, il faut leur donner le choix, de choisir. Longtemps, on a reproché au Gabon de n'avoir qu'un candidat à l'élection présidentielle, un candidat naturel. Là, ils vont avoir plusieurs candidats. C'est ça la démocratie aussi, et les Gabonais choisissent. Vous avez quitté le PDG? Je n'ai pas ce projet. On ne peut pas ambitionner de diriger un pays, être président de la République et quitter le parti majoritaire. Mais vous-même, vous savez aussi qu'aujourd'hui, à qui appartient le PDG? Vous savez que depuis que le PDG a essayé de s'engager dans le choix d'un candidat, hein, vous savez qu'il est en train d'imposer. C'est-à-dire, ça c'est... J'aurais bien voulu me présenter. Et même... Non, je retire ce président. Pourquoi je ne me suis pas représenté comme candidat du PDG? C'est parce que, regardez l'histoire politique du pays. Même le président Bongo n'a jamais été investi par le PDG. Vous regardez l'élection présidentielle de 1993, le président Bongo était le candidat de la Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance, il m'avait demandé de la mettre en place avec le secrétaire général du PDG de l'époque, avec d'autres leaders politiques des 5 partis. Donc on a créé la Nouvelle Alliance à l'hôtel Inter et le président Bongo s'est présenté donc sous la bannière de cette alliance. Et ce sont les différents partis qui ont fait des congrès pour le soutenir. En 1998, on a créé quelque chose de plus grand, la majorité présidentielle. Il était le candidat de la majorité présidentielle. Et chaque parti de cette majorité soutenait sa candidature. Faisait des congrès pour soutenir sa candidature. En 2005, la même chose. Donc, le président Bongo n'a jamais été investi par le PDG. À l'époque du multipartisme, avant, il était, bon, c'était le parti unique, il était le candidat du parti unique. Pourquoi? Parce que les problèmes à résoudre sont tellement complexes qu'il faut éviter de s'enfermer dans un cadre réducteur d'un parti. Est-ce qu'il existe encore ce PDG finalement? Il existe. Il existe. Il sera à reconstruire, à réaménager, il existe. Mais la manière dont certains ont voulu se l'approprier a posé problème. Parce que ce qu'il faudrait d'abord bien comprendre, c'est que le PDG, c'était le parti Omar Bongo. C'était une machine politique, une structure politique, par et pour le président Bongo. Et ce qui a amené certains à adhérer au PDG, c'était d'abord... On adhérait à un homme. Là, vous voyez, c'est pourquoi je vous disais, s'aligner sur les hommes, c'est pas toujours la meilleure chose. On allait au PDG parce qu'on voulait soutenir le président. Je parle à l'époque du multipartisme. Donc c'était le dénominateur commun entre tous les militants. Lui disparu, nous sommes aujourd'hui en panne de référence en tant que tel. Donc le parti, le PDG, vous-même vous avez vu, le premier ministre, chef du gouvernement, premier vice-président du PDG a démissionné hier parce qu'il s'opposait à la manière avec laquelle les candidats, la candidature de M. Ali Bongo a été obtenue. Le premier ministre, chef du gouvernement, c'est-à-dire le numéro 2 après le président Bongo. Ça veut dire qu'il y a un problème politique sérieux et d'autres ministres sont en train de démissionner, justement pour se positionner en dehors du PDG. Donc moi je me suis dit dès le départ, parce que je savais qu'on n'arriverait pas à avoir un candidat consensuel, je me suis dit, le président Bongo ne s'est jamais donné la peine d'aller chercher l'investiture du PDG parce que dans sa démarche en direction du peuple gabonais, il n'avait pas besoin de cette étiquette. Il voulait aller directement à eux en s'appuyant sur un maximum de soutien politique. Je ne voyais pas pourquoi moi j'allais aller m'enfermer dans un piège arabe. Parce que les résultats étaient connus d'avant, on savait qui on voulait mettre comme candidat. Mais alors, moi j'ai trouvé que c'était prendre des risques politiques inutiles. Aujourd'hui, le PDG a été mis en danger inutilement. Et je vous en conviendrai avec moi que ce n'est pas la meilleure situation pour un parti politique, pour une formation politique, d'aller aux élections. Je ne quitterai pas ça, que je suis membre du PDG. J'entends le respect. J'entends surtout, c'est ce que le travail que je vais commencer dès demain quand je vais rentrer au Gabon, faire en sorte que, de rassembler ceux qui sont partis ou ceux qui aujourd'hui n'arrivent plus à voir, à envisager leur avenir en commun. Monsieur le ministre, pourquoi avoir choisi Barcelone pour l'annonce de votre candidature, le lieu même où le président Bongo est décédé? Mais parce que son esprit se trouve là-bas. Vous savez, chez nous les Africains, symbole, même dans le monde, là, vous savez, la gestion des signes constitue aujourd'hui un élément important au niveau de la gouverne politique, gestion des symboles, gestion des signes. Donc le président Bongo est mort à Barcelone. Et 25 ans durant, le président Bongo m'avait donné la possibilité d'aller solliciter ses avis, ses conseils, lorsque je devais prendre une décision importante, politique, personnelle. Donc là, lorsqu'il est décédé, me rappelant un peu de tout le parcours qu'on a fait ensemble, je me suis dit, je sens que j'ai une offre à faire. Je sens que je peux aujourd'hui reprendre le flambeau pour le porter beaucoup plus haut. Le président Bongo n'était pas là, donc je ne pouvais pas là. Il a fallu que j'aille là où je pouvais être en contact avec lui, spirituellement avec lui, pour être sûr que l'ambition ou bien ce que je ressentais en moi était partagé. Et je peux vous dire que si quelqu'un aujourd'hui n'est pas surpris par ma candidature, c'est le président Bongo. Demain, je pourrais vous fournir certains éléments qui me font dire aujourd'hui que pas à pas, en tout cas qui m'a préparé aux responsabilités qui seront demain. Donc je suis allé à Barcelone, je me suis senti en phase et j'ai lancé ma candidature là-bas. Et aujourd'hui, vous êtes des journalistes, vous savez qu'au Gabon, c'est... Ça veut dire que vous êtes reparti à la clinique Cuiron et probablement dans la chambre. Dans la chambre, je me suis repris dans la chambre. Et je suis revenu là-bas en face avec lui et plus déterminé que jamais à prendre mes responsabilités et à assumer ma responsabilité.